everything changes if you travel 5 kilometers. So to duplicate this diversity, we have a myriad of cardiovascular problems, both confronting the developed nations, that is lifestyle-related diseases, as well as the problems of developing countries. Rheumatic heart disease is still rampant in India. It has not been taken care of as compared to the Western world. Being a billion-plus population, the congenital heart disease is also becoming an increasing problem. When it comes to India, usually we think that we have to tackle with malnutrition, unsafe pregnancies, malaria, tuberculosis, and why to bother about these lifestyle-related diseases, which is not our problem. But if you look at the statistics, we find in a survey done in a rural population from Andhra Pradesh, 1/3 of deaths, the total mortality was due to cardiovascular disease. And that was more than the combined deaths from tuberculosis, malaria, trauma, and HIV. That means the lifestyle-related diseases have their own importance. We have to tackle both type of diseases. It's a good that Government of India also has recognized now that it is not the infections or the developing countries' needs which have to be satisfied, but we have to take care of the cardiovascular problems, because we are already a diabetic capital of the world. And unfortunately, if the statistics prove right, by 2025 or so, we will also become the coronary artery capital of the world. And for an economy like ours, this is not a very welcome situation. So we are very happy that we have collaborated with France, who are the innovators in the prevention and treatment of cardiovascular diseases, in this forum and having these afternoon meetings. Today we have 3 speakers from India and 3 speakers from France. All of them are innovators and thought leaders in their own right. In fact, I must mention that Professor Alain Cribier has worked in our lab. He has tested a device. He is an innovator of many, many devices, and this was a device specifically made for patients of rheumatic heart disease, which is not a problem in developed worlds. That was his big contribution. Of course, he is known for other innovations which we will be discussing as the time goes by. I think with these few words, I'd like to invite the speakers, and I'll request my co-chairman to invite the first speaker. The first topic is devoted to the modification of food intake. Modification of the food intake habits and cardiovascular risk factor. And the first speaker is Claude Jaffiol from Montpellier, who is professor of endocrinology. Social economic aspect. I apologize because I speak in French et je vais maintenant donc traiter ce thème qui a une, non seulement une très grande importance médicale mais également socio-économique. Durant l'histoire humaine, deux changements majeurs sont survenus dans les habitudes alimentaires. Le premier concerne le passage du paléolithique au néolithique et beaucoup plus près de nous, la révolution industrielle au XXe siècle dans l'alimentation et dans le commerce alimentaire. Durant l'époque paléolithique qui s'étale sur des millions d'années, les habitudes alimentaires étaient essentiellement fondées sur la chasse et la cueillette. Et cela ressort des images magnifiques rupestres que nous avons, qui sont observées dans de nombreuses grottes autour de la planète, comme vous le voyez ici. Puis vient l'âge néolithique avec l'émergence de l'agriculture et de la sédentarité. Durant cette période et pendant plusieurs siècles,
l'alimentation ne fut guère modifiée car l'agriculture, les habitudes alimentaires ont eu un cours assez long. Puis vint enfin la dernière période, la période industrielle, au cours de laquelle on assista à une modification complète de l'agriculture et des changements alimentaires, du commerce, aboutissant à ce que l'on appelle l'occidentalisation de l'alimentation et qui va justement entraîner les pathologies dont nous allons parler. Nous rappellerons que les maladies cardiovasculaires sont, avec le cancer, la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. Les différences de prévalence de ces maladies cardiovasculaires sont essentiellement fonction de facteurs environnementaux beaucoup plus que de différences génétiques, mais le fait important, c'est l'accroissement spectaculaire de ces maladies cardiovasculaires dans les pays en voie de développement. De nombreuses études épidémiologiques ont analysé les facteurs de risque. Ici, je vous en présente une qui est très connue, l'étude Interheart, et qui a mis en évidence les facteurs de risque qui figurent sur la diapositive suivante. Dans laquelle vous voyez que 5 facteurs ont un rôle déterminant, le tabagisme, l'obésité essentiellement viscérale, le diabète, l'hypertension et l'augmentation du cholestérol, essentiellement le rapport ApoB sur ApoA. Et ces facteurs de risque, on peut le dire, sont associés avec 80% des maladies cardiovasculaires. Mais les habitudes alimentaires jouent un rôle majeur dans les 4 dernières, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Il faut dire que dans la plupart des cas, les facteurs de risque cardiovasculaires ne sont pas isolés, mais sont associés, ce qui fait que lorsqu'ils sont associés, le risque augmente très significativement, comme vous le voyez sur cette diapositive, et cela doit être pris en compte lorsqu'on analyse ces données. L'incidence des maladies cardiovasculaires et de leurs facteurs de risque dans les contrées industrialisées durant le dernier siècle ont nettement augmenté dans la première moitié du XXe siècle. Nous avons déjà dit qu'elles sont la première cause de mortalité, mais actuellement elles semblent diminuer dans ces mêmes contrées industrialisées, probablement à la suite des progrès considérables faits dans la pharmacologie et surtout dans la cardiologie interventionnelle. Les facteurs de risque présentent deux évolutions opposées. On assiste à une diminution de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie, probablement pour les mêmes raisons, progrès pharmacologique, progrès de la cardiologie interventionnelle. Par contre, on observe une augmentation significative de l'obésité, du diabète de type 2, et très probablement parce que ces facteurs sont dépendants de considérations hygiéno-diététiques, bien souvent mal suivies par nos contemporains. Au contraire, dans les pays en voie de développement, il y a une augmentation vraiment significative et extrêmement importante des maladies cardiovasculaires et de leurs facteurs de risque. Voici un exemple, le diabète. Vous voyez ici en colonne noire la prévision de la prévalence du diabète en 2030 et vous observez que ce sont les pays en voie de développement chez lesquels cette prévalence va augmenter considérablement, beaucoup plus que dans les pays occidentalisés. Quels sont les facteurs qui interviennent dans cette croissance rapide des facteurs de risque cardiovasculaire dans les maladies en voie de développement? Bien sûr, des facteurs ethniques. Il y a quelques exemples. Par exemple, les îles du Pacifique. Et on a mis en évidence, ici même aux Indes, que la minceur était souvent associée à l'obésité abdominale qui constituait un facteur de risque. Les Africains sont plus portés à l'hypertension. Mais ce sont les facteurs environnementaux qui, là encore, jouent un rôle majeur, le tabagisme, la sédentarité, les anomalies, les mauvaises habitudes alimentaires. Et ces mauvaises habitudes alimentaires observées dans ces pays portent le nom de transition nutritionnelle.
Enfin, bien sûr, l'augmentation de la durée de vie est un facteur dont il faut tenir compte. Que signifie la transition nutritionnelle? Ce terme a été créé par Popkins et il correspond à ce que les progrès dans l'industrialisation de l'alimentation, progrès apparents, ont entraîné une modification significative des habitudes alimentaires, les populations abandonnant une alimentation de type rural pour aller vers une alimentation de type urbain occidental. Ce phénomène a été observé dans les nations occidentalisées il y a déjà assez longtemps, il y a environ une centaine d'années, mais par contre, il se développe très rapidement dans les pays en voie de développement pour les mêmes raisons que celles qui avaient été observées dans les pays en voie de développement. Quels sont les facteurs qui sont impliqués dans la transition nutritionnelle? Bien là, il y a un phénomène complexe dans lequel interfèrent des facteurs génétiques, des changements dans, je l'ai déjà dit, dans l'industrialisation de l'agriculture, dans l'industrie alimentaire et dans des facteurs socio-économiques. Et lorsqu'on analyse quels sont les éléments les plus responsables, les facteurs les plus en cause, l'urbanisation est certainement le facteur majeur qui est responsable de ce changement. Bien sûr, il y a également l'augmentation du niveau de vie, des revenus, pour tout au moins pour les classes moyennes, et curieusement, tout à fait à l'opposé, la pauvreté. J'y reviendrai, la pauvreté, la précarité, qui est un facteur majeur de changement de ces habitudes alimentaires. Il y a l'absence d'éducation nutritionnelle, et puis il faut le dire, la publicité abusive pour des aliments bon marché destinés à des classes pauvres, mais qui ont une très mauvaise qualité nutritionnelle. Voici une figure qui oppose, vous le voyez, l'habitat rural au développement explosif des grandes cités urbaines en Asie ou en Afrique. Voici une plaque dans laquelle vous avez les facteurs qui, dans l'urbanisation, sont responsables de tous les troubles métaboliques, l'hypertension, le diabète, l'obésité abdominale, etc. Et vous avez en bleu quels sont ces facteurs, la modification des habitudes alimentaires, le relâchement du lien familial, la sédentarité et l'augmentation de la durée de vie. La pauvreté, je vous l'ai dit, la pauvreté est un élément très important. J'ai eu l'occasion d'étudier cela sur une assez large étude faite à Montpellier. Certes, on n'était pas dans un pays en voie de développement, mais il faut savoir que même en France, le problème de la précarité occupe une place très importante. Effectivement, dans les pays les plus pauvres, il était habituel de s'occuper plutôt de la sous-nutrition, de la famine, que de ces modifications métaboliques. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de sujets pauvres vivant dans des zones rurales ont migré vers des zones urbaines en ayant quelques revenus supplémentaires, mais aussi des frais supplémentaires, et se sont retournés vers une alimentation apparemment facile qu'ils obtiennent dans les supermarchés, etc., mais qui, du fait de leurs moyens économiques limités, et particulièrement de mauvaise qualité, avec une diminution de la consommation de fruits, de produits laitiers, de poissons, de végétaux, trop riches en graisse et sel et sucre raffiné, un abus souvent d'alcool, un excès de boissons sucrées, et je voudrais beaucoup insister sur le danger des boissons sucrées, tout cela entraînant des déficits en vitamines et en micronutriments. Donc, la pauvreté, la précarité est un facteur qu'il faut retenir. Mais lorsqu'on analyse bien la situation dans ces pays, on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une explosion de ces maladies métaboliques, diabète, obésité abdominale, hypertension, etc., et que cette explosion n'est peut-être pas expliquée seulement par le changement des habitudes alimentaires chez les jeunes ou les adultes. Et c'est là qu'intervient une autre hypothèse qui a été avancée, à savoir qu'il y a une modification de la programmation fœtale due à la malnutrition chez les mères porteuses d'un enfant. Cette hypothèse a été renforcée par plusieurs observations
dans lesquels on a vu que les descendants de mères ayant vécu des épisodes de famine présentaient de façon majoritaire un excès d'hypertension, de diabète, etc., et d'obésité. Et cette hypothèse est donc renforcée par ces observations épidémiologiques. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, l'explication, je vous la résume ici, car le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer beaucoup et dans le détail ces aspects, c'est que vous savez que de nombreux gènes sont impliqués dans le développement des organes fœtaux, que leur activité dépend de la méthylation ou de processus d'acétylation, en particulier des histones, au début de la vie fœtale. Et il y a une relation étroite entre la malnutrition maternelle et le défaut, les anomalies dans ces processus de méthylation. Et cela va donc entraîner des enfants qui représenteront une fragilité pancréatique en particulier et rénale. Et ces enfants, lorsqu'ils seront soumis à une alimentation plus riche, développeront rapidement, soit diabète, soit obésité. Et cela explique non seulement le fait que ces maladies sont très fréquentes et de plus en plus fréquentes dans les pays en voie de développement, mais qu'elles affectent aussi les enfants et les sujets de plus en plus jeunes. Alors, le problème, me direz-vous, tout cela est bien joli, vous nous avez donc expliqué qu'il y avait une augmentation significative des facteurs de risque cardiovasculaire dans les pays en voie de développement, qu'une des explications était la transition nutritionnelle, je pense avoir été clair là-dessus, et qu'il y a aussi ce problème de la programmation fœtale, qui est peut-être une explication très intéressante. Mais me direz-vous, tout cela est bien joli, mais que peut-on faire? Que peut-on faire pour prévenir ces facteurs de risque cardiovasculaires dans les pays en voie de développement? Eh bien, il y a quelques, je dirais, principes simples que l'on peut appliquer. C'est lutter contre les boissons sucrées. Ces boissons sucrées qui, vous le savez, sont l'objet d'une publicité abusive, excessive, et qui ont une grande responsabilité dans le développement de l'obésité, du diabète, etc. Et l'excès d'alcool aussi. Réduire l'apport de sel, c'est un des meilleurs moyens de diminuer la prévalence de l'hypertension. Réduire l'apport de matières grasses, en particulier les matières grasses saturées, et surtout celles qui sont riches en acides gras trans. Choisir plutôt des corps gras poly ou monoinsaturés. Enfin, recommander la consommation de légumes, de grains, de riz ou de pain complet, de fruits, de noisettes, de poissons et des produits laitiers diminués en matière grasse et éviter à tout prix l'alimentation industrielle. Me direz-vous, tout cela est très bien, nous le savons déjà peut-être, mais il y a de nombreux obstacles à la mise en œuvre de cette politique. Tout d'abord, la progression de l'urbanisation. Je vous ai dit que l'urbanisation était le facteur majeur, un facteur capital, responsable de ces pathologies dans les pays industrialisés. Or, comment arrêter l'urbanisation quand la pauvreté, la famine parfois, conduit de nombreux ruraux à migrer vers les zones urbaines? Deuxièmement, l'augmentation du niveau de vie. Ça ne joue pas pour les pauvres, mais ça joue pour les classes moyennes qui vont donc avoir une alimentation plus riche, etc. et qui sont très contents de cette situation et qui sont peu réceptifs aux conseils diététiques qu'on leur donne. De la même manière, la persistance des anomalies nutritionnelles alimentaires chez les mères qui, vous le voyez, est peut-être responsable d'une programmation fœtale déficiente. La perte des habitudes alimentaires, en particulier de la cuisine à la maison. Le manque d'implication dans ce problème des médias. En effet, les médias et la télévision, Internet, peuvent jouer un rôle majeur dans la prévention, mais ce n'est pas toujours fait. En ce qui concerne les organisations publiques, internationales, les politiques, eh bien, il faut dire que pour ces gens-là, il est beaucoup plus politique, entre guillemets, beaucoup plus porteur de mener la lutte contre la famine et contre les insuffisances alimentaires majeures, en particulier chez les enfants, que de prendre une politique de lutte contre l'obésité, qui
c'est certainement moins porteur au point de vue préoccupé du public. Et enfin, les différences d'intérêt entre l'intérêt santé, dont je viens de vous exposer l'importance, et les intérêts économiques de l'industrie alimentaire qui fournit, très facilement des aliments à bas prix, certes, mais de mauvaise qualité nutritionnelle. Et enfin, la progression démographique. La progression démographique, si vous y réfléchissez, est un facteur également très important dans ces phénomènes pathologiques. Alors, que peut-on faire ? Eh bien, il faut dire que les médecins ont certes un rôle à jouer, mais ce problème est beaucoup plus socio-économique que médical. En effet, si l'on veut agir de façon efficace et, il faut le dire, à moyen ou long terme, pour prévenir ces problèmes, il faut agir d'abord au niveau de l'éducation alimentaire, de l'éducation à la santé, des femmes surtout, les femmes ont un rôle majeur dans ces pays en voie de développement, des enfants et des groupes à risque. Il faut impliquer les médias et faire des campagnes d'information. Il faut agir sur l'industrie alimentaire, sur l'agriculture également, et sur le commerce alimentaire, au niveau en particulier des supermarchés. Il faut agir également contre la pauvreté. C'est plus difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire. Mais vous l'avez vu, la pauvreté est un élément également capital. Et enfin, il faut faire une politique pour augmenter la qualité, le rapport qualité-prix des aliments. Et puis, il faut s'occuper des femmes enceintes. Il faut impliquer là les gynécologues obstétriciens, il faut impliquer les sages-femmes, il faut impliquer toutes les personnes qui s'occupent des problèmes de grossesse. Bien entendu, il faut parallèlement lutter contre le tabagisme, et je voudrais souligner ce point capital de lutte contre le tabagisme, et recommander les activités physiques, limiter la pression démographique et la pression urbaine. Alors, me direz-vous, tout cela est très bien, vous parlez d'or, mais est-ce qu'il y a des expériences qui ont montré une efficacité de ce que vous proposez ? Eh bien oui, il y a des résultats qui ont été faits, je ne peux pas vous les développer. Il y a plusieurs études qui ont montré que par des règles hygiéno-diététiques, on pouvait prévenir l'apparition du diabète de type 2 chez des sujets prédiabétiques. Je ne peux pas ici vous donner le détail. De même, réduction de l'hypertension, en particulier des études faites à l'île Maurice, faites en Finlande, aux États-Unis. Réduction de l'hypercholestérolémie, je cite l'exemple de l'île Maurice, où a été remplacée l'huile de palme par une huile monoinsaturée. Et puis d'autres en Finlande, États-Unis. Et enfin, la diète méditerranéenne, dont on parle beaucoup, a permis de réduire dans certaines études la survenue d'accidents d'événements cardiovasculaires dans 30% des cas. Voici ici un triangle qui vous donne la composition de la diète méditerranéenne. Je n'ai pas le temps de détailler le contenu de cet élément, mais cette diète méditerranéenne privilégie une alimentation riche en fibres, en laitages, en poissons, et pauvre au contraire en acide gras saturé. Une étude a été, je vous présente cette étude qui a été faite au Danemark et qui a comparé la survie de deux populations, l'une en rouge soumise à la diète méditerranéenne, l'autre en bleu qui ne bénéficiait pas de cette diète. Et elle démontre que le degré de survie a été très nettement amélioré par la diète méditerranéenne. Je vais maintenant conclure et donner l'essentiel du message que je voudrais vous apporter. Premièrement, les pays en voie de développement connaissent une transition épidémiologique accélérée qui est semblable à celle qu'ont connue les pays occidentalisés et industrialisés. La rapidité avec laquelle se développent les maladies coronariennes et les accidents cérébraux apparaît la conséquence de facteurs de risque bien connus, incluant le tabagisme, et j'y reviens, la réduction de l'activité physique, l'obésité, surtout l'obésité abdominale viscérale, le diabète, l'hypertension et l'excès de cholestérol.
Et ces facteurs de risque, pour la plupart, sont liés à des modifications des habitudes alimentaires apparues dans ces populations où vous observez un déséquilibre entre la consommation d'aliments de basse qualité mais très riches en calories et qui n'ont pas de très bonne qualité nutritionnelle et le manque d'exercice. Et c'est cela que l'on appelle la transition nutritionnelle. Troisièmement, la nutrition transitionnelle dépend majoritairement de facteurs socio-économiques et j'y reviens, principalement l'urbanisation galopante que l'on observe dans ces pays qui conduit à une vie beaucoup plus sédentaire, un excès dans l'alimentation de sel, de gras, de sucre raffiné, avec au contraire une pauvreté dans les repas de légumes, de grains entiers, de fibres, de vitamines et de micronutriments. Et les sujets en état de précarité sont principalement affectés par ce problème. Enfin, il ne faut pas oublier les modifications métaboliques dépendant de changements dans la programmation fœtale due à la malnutrition maternelle. Et ce qui est important, c'est que ces modifications que l'on dit encore épigénétiques se transmettent de génération en génération. Et ce fait est très important parce que ça peut expliquer la rapidité, l'accélération du processus dans les populations concernées. D'autre part, il y a un problème économique qu'il ne faut pas oublier. C'est que les pays en voie de développement étaient surtout affectés par les maladies infectieuses. Tous ceux qui connaissent ce problème le savent. Mais il y a actuellement un glissement des pathologies infectieuses qui se réduisent grâce aux traitements pharmacologiques vers la montée en puissance des maladies métaboliques. Or, ces maladies métaboliques coûtent extrêmement cher, surtout à cause de leurs complications. Je vous fais référence, par exemple, à l'hypertension ou au diabète. Et de nombreux États en voie de développement ont des budgets de santé qui seront incapables de supporter le prix de ces affections. D'autre part, la prévention est essentielle. C'est très difficile car la prévention suppose l'implication de toutes les forces actives d'un pays, qu'il s'agisse des politiques, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse du commerce, des aliments, de l'agriculture, etc., etc. Et vous voyez que seul un effort collectif et coordonné peut permettre d'espérer un résultat. Et donc, il faut une association des efforts de très nombreuses forces pour pouvoir espérer avoir un résultat. Cela est capital pour les pays en voie de développement, car comme je vous le disais, si ces pays-là n'arrivent pas à lutter contre ces problèmes métaboliques qui coûtent extrêmement cher, eh bien, des catastrophes sont à craindre pour le futur. Je vous remercie de votre attention. Any question, please? Thank you, Professor Claude Jaffiol. We have to consider now the second topic, which concerns non-invasive diagnostic approach to coronary artery disease. And the first speaker is Professor Guéret, Chief of Cardiology in Hôpital Henri Mondor in Paris, and he is the honorary president of the French Society of Cardiology. Thank you, Professor Guéret. Thank you. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, ça vient d'être rappelé,
les maladies cardiovasculaires, qui incluent d'ailleurs les accidents vasculaires cérébraux, restent dans la majorité des pays la principale cause de mortalité. Il faut néanmoins reconnaître que grâce à l'amélioration de la prise en charge, et je pense tout particulièrement à l'infarctus du myocarde dans sa phase initiale, dans les toutes premières heures, d'une part, et d'autre part, grâce à ce que l'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire l'administration de médicaments chez des patients qui ont fait un premier accident coronaire, eh bien, grâce à ces deux mesures, la mortalité tend à diminuer. Et dans notre pays, en France, elle est passée récemment en seconde position, si je puis dire, de cause de mortalité immédiatement derrière le cancer. C'est donc, à ce point de vue, un message encourageant, car les mesures de prise en charge d'une maladie, en particulier dans ses formes les plus graves, associées à la prévention secondaire, finit par porter ses fruits en termes de santé publique. La maladie coronaire a, comme vous le savez, plusieurs modes de présentation clinique. Il y a ce que nous appelons les syndromes coronaires aigus, au premier rang desquels l'infarctus du myocarde dans sa forme classique. Il y a les insuffisances cardiaques d'origine coronaire. Il y a bien entendu la mort subite. Et enfin, une autre forme de présentation qui est celle que je retiendrai cet après-midi, qui est la maladie coronaire stable. En effet, les patients qui présentent une douleur thoracique sont d'une part très nombreux et d'autre part représentent une population, un mode de consultation dans les hôpitaux ou auprès des médecins en général, mode de présentation extrêmement fréquent. Si dans l'ensemble, le pronostic de la maladie coronaire stable est moins sévère que celui des autres formes, et en particulier de l'infarctus du myocarde ou de l'insuffisance cardiaque d'origine ischémique, il faut néanmoins reconnaître que cette forme reste grévée d'un taux annuel de mortalité de l'ordre de 1,5 à 2%, et une incidence annuelle de décès d'ordre cardiaque, de cause cardiaque, qui est en moyenne proche de 1%. Par conséquent, en présence d'un patient qui ressent des douleurs thoraciques et chez lequel on va se demander si elles correspondent ou non à la première manifestation clinique d'une maladie coronaire, eh bien, il est très important d'en évaluer le risque, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'au terme de ce premier contact médical, ces symptômes décrits correspondent ou non à une maladie coronaire. Et pour cela, vous voyez que si vous arrivez à classer les patients dans un risque faible, vous allez pouvoir assez facilement éliminer la présence de la maladie coronaire. Et s'ils sont présents, plutôt agir sur une modification des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'orateur précédent vient de le signaler. Au contraire, si au terme de ce premier contact, vous avez le sentiment que la probabilité est élevée, eh bien l'objectif est différent, puisqu'il va falloir identifier la maladie coronaire et en particulier son retentissement sur le fonctionnement du myocarde, et décider du meilleur traitement, soit médicamenteux, soit par revascularisation, quel qu'en soit le mode, qu'il s'agisse d'une angioplastie des artères coronaires ou qu'il s'agisse d'un pontage coronaire chirurgical. Puis, il reste un groupe important de patients qui présentent des difficultés de classification et le médecin reste perplexe et a des difficultés pour savoir s'il s'agit d'un risque a priori très faible ou au contraire d'un risque a priori élevé. Eh bien, pour tenter d'avancer dans son diagnostic, le médecin va donc utiliser des approches finalement relativement simples pour savoir si le patient est à faible risque, à risque intermédiaire ou à risque élevé. Les sociétés scientifiques internationales et en particulier la Société européenne de cardiologie a proposé
d'utiliser trois critères extrêmement simples, immédiatement disponibles par le médecin, à savoir l'âge du patient, son genre, s'agit-il d'un homme ou d'une femme, et enfin si les symptômes que le patient décrit au médecin lui semblent très typiques d'une angine de poitrine, donc la manifestation clinique de la maladie coronaire, ou au contraire, si ces symptômes ont pour certains d'entre eux des caractéristiques qui font penser au médecin que les douleurs sont plutôt atypiques, ou au contraire, si elles sont manifestement d'origine non cardiaque, non coronaire. Et donc vous voyez qu'avec une table relativement simple qui tient compte de ces trois paramètres, eh bien on va pouvoir avoir une idée assez précise et stratifier les patients dans un risque extrêmement faible, par exemple une femme relativement jeune qui décrit des douleurs qui sont à l'évidence qui ne sont pas d'origine coronaire, ou à l'extrême un homme de 65-70 ans qui lui va décrire des douleurs qui sont très évocatrices d'une maladie coronaire. Mais vous remarquez également que le groupe intermédiaire reste très important. Alors comment faire ? Eh bien, pour cela, on va tenter de choisir parmi des examens complémentaires ceux qui vont nous permettre d'avancer dans cette démarche diagnostique. Alors je ne vous les détaillerai pas tous, je voudrais simplement les rappeler. Au premier rang desquels, en particulier pour des raisons d'ancienneté historique, la simple épreuve d'effort, soit sur bicyclette ergométrique, soit comme sur cette image sur un tapis roulant. Un autre examen, également pratiqué depuis fort longtemps, qui est la scintigraphie myocardique, qui permet de comparer les deux états de perfusion myocardique au repos et au cours d'une épreuve d'effort ou d'un stress. Et puis, vous avez également d'autres méthodes. Je vous montre ici une image de l'échographie cardiaque effectuée au cours d'un exercice physique. Vous allez voir apparaître progressivement des anomalies, comme ici, de la contraction du muscle ventriculaire gauche, qui est la conséquence de l'ischémie myocardique. Et puis, plus récemment, on dispose d'examens d'imagerie comme la résonance magnétique. Et vous voyez ici, après l'injection d'un produit de contraste qui s'appelle le gadolinium, apparaît cette zone de renforcement en noir sur l'écran et qui correspond à la présence d'une ischémie myocardique. Je dirai un petit mot un petit peu plus tard sur une autre méthode diagnostique d'imagerie qui est le scanner des artères coronaires, qui permet non pas d'étudier le métabolisme, la perfusion, mais simplement d'offrir une méthode moins invasive que la coronarographie de l'anatomie des artères coronaires. Donc, à partir du moment où on a pu stratifier à l'aide de la prise en compte de ces trois paramètres cliniques simples, eh bien, si le patient vous apparaît à faible risque, il n'est pas justifié de poursuivre les investigations complémentaires et on va donc rechercher une autre cause aux symptômes décrits et corriger les facteurs de risque vasculaire s'ils sont présents. A l'inverse, si le patient apparaît à risque élevé de maladie coronaire, il est recommandé de pratiquer une coronarographie diagnostique et qui permettra ensuite de choisir quel est le meilleur traitement, soit médicamenteux, soit revascularisation. Et puis vous avez ce large groupe de patients à risque intermédiaire, puisque vous voyez que cette évaluation a priori varie de 15 à 85%, donc l'éventail est assez large, et c'est dans ce groupe de patients que les tests de détection d'ischémie que je viens de vous illustrer vont trouver leur intérêt. Alors, il est évidemment impossible et même déconseillé de tous les pratiquer. Mais il faut néanmoins essayer de voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Vous voyez par exemple que la scintigraphie va avoir pour objet d'étudier l'hétérogénéité du flux myocardique et la perfusion, que l'imagerie par résonance magnétique va également étudier la perfusion et la dysfonction de la phase de remplissage,
que l'échographie de stress ou l'échographie en imagerie par résonance magnétique va, elle, permettre d'étudier la contractilité. Je viens de vous montrer un exemple. Et l'électrocardiogramme d'effort, lui, va permettre de détecter des anomalies de la repolarisation ventriculaire. Et vous voyez que tous ces examens, dans la cascade des événements ischémiques, vont précéder l'apparition de la douleur angineuse. Alors on pourrait évidemment balancer les avantages et les inconvénients respectifs de chacun de ces examens, mais si vous regardez sur ce tableau qui regroupe l'expérience de très nombreuses études sous forme de méta-analyse, bien vous voyez qu'à l'exception de l'électrocardiogramme d'effort qui a une sensibilité nettement insuffisante, tous ces autres examens sont finalement avec des performances diagnostiques assez proches, assez comparables, tant en termes de sensibilité qu'en termes de spécificité. Je vous compare par exemple la scintigraphie myocardique, dont vous voyez la sensibilité ici, qui se révèle nettement supérieure à celle de l'électrocardiographie d'effort, mais qui est moins spécifique que l'échocardiographie, tel que je vous l'ai montré au cours de stress, soit un effort physique, soit l'adjonction d'un médicament comme la dobutamine. Et on comprend bien ces différences puisque la scintigraphie va étudier les anomalies de la perfusion du muscle myocardique, alors que l'échographie de stress va regarder les répercussions de la perfusion sur la contraction. On comprend donc bien pourquoi un test est moins sensible et plus spécifique que l'autre. Alors je voudrais, à l'aide de ce schéma, vous démontrer l'énorme avantage de l'évaluation du risque avant la pratique du test et l'évaluation du risque chez le même patient en fonction du résultat du test qui a été pratiqué. C'est ce que l'on appelle l'approche bayésienne, le théorème de Bayes. Prenons un premier exemple d'un patient qui, a priori, vous semble de faible risque. Eh bien, vous voyez que si l'examen que vous pratiquez se révèle normal, eh bien, on peut pratiquement éliminer le diagnostic de maladie coronaire. Si au contraire, ce test est anormal, vous avez une probabilité après le test qui se révèle nettement supérieure, 13%, 75%, mais néanmoins qui n'est pas parfaite. Et il reste encore justement des causes de faux négatifs. Voyons maintenant un patient qui est à risque intermédiaire avant le test. Si l'examen que vous avez pratiqué se révèle normal, vous pouvez éliminer le diagnostic de maladie coronaire. Et si au contraire, le test est anormal, vous allez considérablement améliorer votre prédiction, passant de 50 à 80%. Et enfin, si vous vous adressez à un patient avec un examen qui se révèle normal alors qu'il est a priori à faible risque, eh bien vous allez effectivement avoir une amélioration de votre évaluation, mais qui n'est pas parfaite puisque vous avez 17%, vous ne pouvez pas éliminer avec certitude le diagnostic de maladie coronaire. En revanche, le gain lorsque le test est positif est relativement faible puisque vous passez de 87 à 96%. Donc vous avez la démonstration dans cette illustration bayésienne de l'importance de l'évaluation du risque a priori, et ce sont chez les patients qui sont à risque intermédiaire et qui sont très nombreux que cette démarche diagnostique est la plus rentable. Un petit mot sur le scanner coronaire qui, comme je vous le disais à l'instant, est un examen qui permet de visualiser les artères coronaires sans approche invasive, sans ponction artérielle comme la coronarographie. Eh bien, cet examen est maintenant largement diffusé et vous voyez, lorsque l'on compare l'anatomie coronaire et la répercussion des anomalies éventuelles sur la perfusion myocardique, eh bien, c'est intéressant de voir que lorsque le scanner vous apparaît normal, il y a néanmoins 15% de cette population qui va avoir une ischémie myocardique à la scintigraphie. Mais plus important encore, lorsque le scanner montre une lésion coronaire, eh bien une seule lésion sur deux, uniquement une fois sur deux, cette lésion va entraîner une maladie coronaire. Donc toute l'importance
non seulement de visualiser une lésion, mais surtout d'en apprécier la répercussion sur la fonction cardiaque. Alors, je n'aurai pas le temps non plus de rentrer dans les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques, juste un mot sur un sujet qui est important en termes de santé publique, qui est l'exposition aux rayons X. Eh bien, vous voyez qu'un test aussi ancien que la scintigraphie au thallium expose énormément les patients aux rayons X. Vous avez ici l'exposition en millisievert, qui est l'unité internationale reconnue pour apprécier cette exposition aux rayons X, alors que le scanner coronaire est en moyenne à 7 millisieverts, et avec les appareils les plus récents, cette exposition tend à diminuer considérablement, maintenant de l'ordre de 1 à 2 millisieverts, alors que la coronarographie, surtout lorsqu'elle est associée à une injection de produit de contraste dans le ventricule gauche, expose le patient à en moyenne 7 millisieverts. Et puis une autre approche qui est également intéressante pour guider le choix du clinicien parmi tous ces examens complémentaires, c'est l'approche médico-économique. Car effectivement, chaque examen que vous allez prescrire ou pratiquer a un coût pour la société, un coût direct, mais il peut également avoir des coûts induits. Je vous montre ici une démonstration assez clair, et vous avez ici trois examens, le scanner coronaire, la scintigraphie, puis un troisième dont je n'ai pas parlé, qui est la tomographie à émission de positons. Et disons que lorsque ces examens sont normaux, eh bien, il y a relativement peu de patients pour lesquels on va proposer une coronarographie d'évaluation complémentaire. A l'inverse, lorsque ces examens sont anormaux, il est tout à fait justifié de compléter le bilan par une coronarographie diagnostique complémentaire. Mais lorsque vous voyez que les anomalies sont simplement modérées, en particulier en scintigraphie, eh bien, il n'y a pas d'excès de coronarographie complémentaire. En revanche, si le scanner répond qu'il y a probablement une lésion coronaire, cela va inciter le médecin à compléter son bilan par un examen complémentaire, une coronarographie complémentaire. Donc vous voyez l'importance en termes médico-économiques, non seulement du coût de l'examen, mais également des coûts induits dans le cadre de la démarche diagnostique. Je terminerai sur cette diapositive pour évaluer l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité, et pour revenir à mon propos initial de l'importance de l'évaluation du risque, vous voyez que si l'on compare l'angiographie coronaire, la coronarographie en ligne pointillée et le scanner coronaire en ligne pleine, eh bien vous voyez que lorsque la prévalence de la maladie est faible, c'est-à-dire qu'on va s'adresser au groupe de patients qui sont à faible risque, eh bien il y aura un rapport coût sur vrai positif de la coronarographie qui sera beaucoup plus élevé, donc un coût pour la société plus lourd, lorsque la coronarographie est effectuée chez des patients à faible risque, à l'inverse du scanner coronaire, et au contraire, si vous vous adressez à une population à risque élevé, eh bien, il est plus rentable, entre guillemets, pour la société de procéder à la coronarographie diagnostique d'emblée. Donc, pour conclure, vous voyez que ces examens qui sont à la disposition du médecin cardiologue ont des voies d'approche physiopathologique très différentes les unes des autres pour tenter de répondre à la même question, à savoir est-ce que la douleur ressentie par le patient correspond ou non à la traduction d'une maladie des artères coronaires. Eh bien, en dépit de ces approches physiopathologiques très différentes, la performance diagnostique au sens global du terme, excepté celle de l'électrocardiographie d'effort, est relativement similaire. Il va donc falloir trouver d'autres arguments dans notre choix. L'efficience médico-économique et la supériorité d'un test sur l'autre est extrêmement difficile à démontrer, puisque je vous ai illustré avec un seul exemple l'importance des coûts directs de l'examen, mais également des coûts induits. Lorsqu'on fait une analyse médico-économique, il faut également savoir si on parle de la réduction de la mortalité ou simplement d'une réduction de morbidité. Et puis surtout, ce que les anglo-saxons appellent le « moving target », c'est-à-dire que vous allez dans une étude médico-économique qui va s'étendre sur plusieurs années, tenter d'apprécier l'efficience économique d'une stratégie, et puis entre-temps, une autre méthode, une autre stratégie sera proposée au médecin
qui rendra caduques les résultats de la précédente. Alors il y a une étude actuellement aux États-Unis qui s'appelle RESCUE, qui est une étude randomisée à très large échelle, qui va tenter de comparer, y compris sur le plan médico-économique, l'efficience de ces stratégies diagnostiques différentes. Et pour l'instant, force est d'attendre les résultats et de prendre en considération d'autres paramètres, comme l'évaluation du risque a priori, et je pense vous avoir convaincu de l'importance de ces trois paramètres cliniques très simples, que sont le genre masculin ou féminin, l'âge du patient et le caractère plus ou moins typique de la pathologie, de la sémiologie qu'il décrit, le respect des indications et contre-indications respectives de chacun des tests, et très important, la disponibilité de l'équipement. Tous les centres ne sont pas équipés de tous ces examens complémentaires, et évidemment l'expertise locale est dans le cas présent extrêmement importante. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Guéret. Any question to Professor Guéret? My question in English. So, concerning the coronarography, at this stage, with the new investigation that you described, what is the remaining space of the classical coronarography, knowing that this coronarography is easier and easier at the same time in parallel, that we saw that this morning with the presentation of Patrick Henry, and when stenosis is diagnosed, for instance, by a non-invasive method, how to be sure that the quantification which is given by this kind of method is enough to make a decision for the patient? For instance, to or not put the stent to that patient. You mean, I guess, the value of the quantification of the degree of stenosis versus the visual analysis, is that correct? Yeah. In most CAT laboratories in Western countries now, the estimation is automatic. Specific software have been developed, and the doctors will use them because, of course, it's more accurate than the visual estimation. And the visual estimation is just to guess whether the lesion is considered as, quote, non-significant, which means diameter reduction less than 50%, or significant, which means more than 50%. And with using this software allowing quantification, it's not just a yes, no, plus, minus 50%. It could be 42%, which is not significant, or 68, which is significant. So it's a real advance, and in most labs now, this estimation is routinely used. Thank you very much, Bob. Now, our third speaker is Professor Sandeep Seth. He is professor of cardiology at AIIMS. He has a special interest in the field of heart failure, and he is one of the earliest innovators of stem cell therapy in these patients. He takes a keen interest in the field of non-invasive investigations, and he will be speaking on non-invasive diagnostic approach to coronary artery disease. Professor Sandeep Seth, please. Thank you. My task has been made somewhat simple by Dr. Pascal. When I was given this topic, I was wondering how to talk about the diagnosis of CAD when the audience included cardiologists as well as physicians as well as non-physicians. I could not talk of advanced enough cardiology to a cardiologist as well as make the topic so simple that even school children could understand it.
So I've tried to make the tasks somewhat simple. I won't talk too much of cardiology because Dr. Pascal has already covered that. But I'll talk about coronary artery disease as we see it in India. This is what we see in India. Coronary artery disease as we see in India, the patients come early, patients are younger, the coronary artery disease that we see is much more diffuse. The risk factors that we see are somewhat different. Quite often we see very young patients, quite often they will come at the age of 20, they've had a heart attack. Majority of them are smokers, quite often they have single vessel disease, sometimes they have diffuse disease. So our patients are actually quite different. The burden, almost 30 million patients of CAD in India. And the Indians, wherever they stay, whether they stay in India or they stay outside, if you look at the Indian patients with CAD, the disease is different. It's occurring in younger patients, it's diffuse, and the risk factors are different. More often and than not, these patients have less of elevation of LDL. More often it's triglycerides, more often it's lipoprotein elevation. It's diffuse, sudden cardiac death is more, the MACE is much more. If you compare the mortality and the morbidity in similar patients across the globe, the Indians fare much worse. Seeing the data across various countries, majority of patients are feeling much younger. More than 25% of the MIs occur below 40 years of age. So basically what I'm trying to say is the patients are much younger in our population. Some of the older studies have shown clearly that if you look at the conventional risk factors, the conventional risk factors would explain only about 50% of the manifest coronary artery disease. So what is it that is the cause of coronary artery disease? Maybe it is that Indians as such are more prone to coronary artery disease, and then the environmental factors trigger the coronary artery disease. We have found that lipoprotein A is much more, HDL levels are much less. We also found that thrombogenic factors are there in our patients, homocysteine levels are much higher. The metabolic syndrome is much more in our patients. So diabetes is much more, dyslipidemia, with triglycerides being more and HDL levels much less, fibrinogen levels are much higher. The Interheart study was, of course, showing somewhat a slight difference from what we were previously believing. And they were suggesting that the standard risk factors do explain a majority of the coronary artery disease, and India was part of the Interheart study. We are also looking at some of the more novel risk factors like homocysteine, fibrinogen, and hsCRP. This is some of the work which we have done in collaboration with IGIP, and we found that nutrition also seems to have some role in patients with CAD, and vitamin B12 deficiency was found to be playing a major role in patients with coronary artery disease, and the recent study which we published found that patients who had vitamin B12 deficiency had more of thrombogenic factors. Coming now to the topic which I was asked to discuss, most of this has already been actually covered by Dr. Pascal, so I won't talk much about this. Actually, don't really need to do much of tests to diagnose a typical case of CAD. Typical angina is a patient who comes with chest pain, which is retrosternal, provoked by exertion and relieved by rest. That is typical angina. You don't need a test for that. Atypical, if there are two of these symptoms, non-anginal, any one of these symptoms. Tests already have been covered actually. This also has already been projected. But the treadmill test is available in most of the centers all over in India. Simple to do, doesn't require much of infrastructure. Fairly sensitive at about 70% of sensitivity. If you need a test which is more sophisticated, you can do some kind of imaging test like a stress thallium, which will be done using some kind of radioactive isotope, which increases the sensitivity to about 80%, which is also more specific. You would do such a test if the ECG is abnormal, you can't do a test, and you want a test which is more sensitive.
or if you have a TMT which is already been shown to be positive and you feel the TMT could be falsely positive. You can do various kinds of perfusion tests using various kinds of isotopes which have already been shown. You can do a thallium test, you can do a technetium test, you can do a PET scan, which is more often used in very specific indications, not for ischemia, but more often for looking at whether the myocardium is viable or not, whether it's alive or dead. Used less often in India for provoking ischemia and more often for looking at viability. In simple terms, we basically look for different areas of ischemia of the heart. Just to give an example, this is how you would look at a stress test. This is representing different portions of the heart during rest, and when you provoke ischemia, portion of the heart starts looking black during ischemia, and during rest, that area looks perfusive. You can do a stress echo also, relatively simple to organize. A CT scan can also be simulated to do what is called a CT angiogram. It is not usually indicated as a test for screening, though a lot of people have started using a CT angio as a surrogate for a screening test. Ideally, it should not be used as a screening test because you unnecessarily create a fear that you have coronary artery disease. It should be used in very select situations to rule out coronary artery disease rather than ruling in coronary artery disease. If you have suspicion of coronary artery disease once you've done an ischemia test, then you should do a coronary angiogram. Just to give a perspective of the number of tests that we are doing at AIIMS, we see about 30,000 new patients in our OPDs every year. We do more than 2,000 treadmills every year. We do about 1,500 perfusion imaging every year, and do about 25 PETs, cardiac PETs every year. That's then more of either research protocols or in a specific patient where you're looking for any viability. More often you would look for the viability in the stress imaging otherwise. Coronary angiogram about 2,000 a year and coronary intervention about more than 1,000 a year. What are the questions that we really need to answer in our coronary patients? Now, why do Indians have higher levels of risk factors even at a younger age? Why is it that coronary artery disease occurs at younger age and at a lower level of risk factors? Are these factors as a result of gene-environment interaction? What are the potential interventions to reduce these risks? So if we're talking of collaborations or working between two institutions or two countries, maybe these are the questions which we need to answer. Well, diagnosis will only look at what has already occurred, what has already manifested, but probably we need to really tackle what has not manifested. Prevention, yes, prevention is one definite area where we need to work on, but we also need to figure out what is going to happen and what is going to be done to prevent it. And that is where probably we need to work together and figure out the answers. French wine, a Mediterranean diet, yes, that is probably one of the answers, but we need to probably work together beyond that and figure out the answers. Thank you. Thank you, Sandeep, because not much has changed in two or three decades. But it's very surprising that we see day in and day out patients having an MI at 20s or second decade or third decade. And as you rightly pointed out, this is an area we can collaborate and try to find out as we are trying to do, because the major risk factors remain the same. The diagnostics, as you have pointed out, depends on the cost effectiveness, one over other non-invasive. We can't say, but with the availability of FFR, I don't know in future how many patients who has a stable angina with diabetic, say, will need these tests. They can directly go for a coronary angio. This may be a provocative statement, but may turn out to be true. So if there are any questions from the audience, I think Sandeep will be very happy to answer. Yes. Thank you. Thank you for this very interesting talk. What about the calcification score? We are just trying to deal with that in order to have a more precise idea of the initial risk of the patient, depending on the calcification score. That means CT without any injection of iodine, and you count the calcification score. We don't really use the calcium score for screening our patients. It's available, of course, but we don't really use it.
talk. I'm not a cardiologist, I'm a cancer doctor, so I can ask stupid questions. You know? The Indian continent is huge, from the Himalayan mountains to south. And of course, your medical campus is the best in the continent. And my question concerns the population on the north of India, because we are very keen of Himalayan mountains, the French people, you know. So can you tell us if the people in the Himalayan mountains with a high level of hemoglobin, they have a higher risk of cardiac problem or coronary problem than the people from south of India? I don't think the coronary artery disease has been found to be different, though they have a higher prevalence of pulmonary artery hypertension because of their heights. But we have not found any difference in the prevalence of coronary artery disease. That has not been found to be any different. Thank you. There may also be some regional differences because of the diet changes. Maybe like salt is taken more and maybe there is more hypertension. And down south, maybe coconut oil is taken more, so the cholesterol problem is different. As you rightly pointed out, India is not one country. You go to region, it changes. But on a general, we find in all regions, the MIs are occurring at a younger age. And that's a truth, because that's happening in last two decades. So there must be something which is playing that way. We've been trying to look at all those parameters for screening. So that it's one of those studies which I showed you. So that's part of the collaboration work which I've been showing you. How promising is growth markers? See, using biomarkers is costly. So all that is part of the research protocols that we've been doing. So it can't be generalized to the public. See, overall, what we recommend is that if the recommendations from the West are that you keep the LDL cholesterol at 100, we recommend that you bring it down to 70. If the LDL cholesterol recommendation is 70, our guidelines come down to 50. So whatever are the guidelines we keep, our guidelines are at least 30 lower. That's what I was trying to say, that we manifest CAD at even the normal risk factors. Our CAD is even worse than the West. At the normal risk factors. That is about serum cholesterol, but they are linking that serum cholesterol is not increased by diet cholesterol. They are de-linking that one, which was previously known. See, till we get some more strong data and better data, we are seeing very bad CAD. Okay. And we are seeing it with the normal LDL. And when we really bring down the cholesterol to very low levels, our patients become stable, they do better. Till we get more strong data, we will not accept that. Thank you, sir. When the data is being figured out, I think we are talking about the standard Indian, who's basically somewhere in the north. Now, I want to ask you whether there are any racial or ethnic differences between those Indians who have a Caucasoid origin or a Negroid or a Mongoloid origin, say for instance from Andaman Nicobar Islands or from the northeastern states. No, when we talk about data, we're talking about data which is pan-Indian data. When I'm talking about the inter-heart study, yes, the inter-heart study was done all over India. Yes, sir, but there's data from all like over India. Regional differences which has just been pointed out. How much do these weigh in favor or disfavor of the general population, sir? No significant regional differences have been found in CAD or at least, for instance, rheumatic heart disease. There have been regional differences, for instance, in heart failure for specific types of heart failure diseases. For instance, there were certain types of heart failure disease which were found, for instance, in Kerala, which were endemic to Kerala. That, with development, faded away. No, but have studies been done to establish the genetic viability of cardiovascular disease? Yeah, so there were certain diseases which were specific to certain areas. There it was found that it was more of an environmental thing. Okay, it was found that as the environment changed, as development came in,
as the diseases faded away, so the links were found with that particular environment. Okay. So it wasn't genetic, it was more of an environmental change. Okay. And any difference in those who are doing yoga, etc., has the cardiovascular morbidity decreased? There are lots of studies. In fact, there were lots of studies published even from AIIMS, Dr. Manchanda, and also published the studies that yoga makes a lot of changes in biomarkers. He had also published studies that there are subtle changes occur in even the coronary arteries, and the coronary artery lesions become stable because yoga does reduce the stress, it reduces the biomarkers, it reduces the blood pressure. Lastly, one question, sir, about our general population. What would you say is the gold standard screening test now? Sorry? Which screening test would you call gold standard now? What we recommend is standard. The standard screening is screen for the standard risk factor. That means around 35-40, you do look at the blood pressure and you look at the lipid profile and the blood sugar. We do not recommend any other screening test. In fact, we don't even recommend a treadmill test. Okay. There's no non-invasive test which can be done. We don't recommend any other non-invasive test. Thank this you. Is specific for even the administrative services. We don't recommend a treadmill test. Thank you, sir. Okay, I think, thank you, Dr. Sandeep, and we all deserve a tea break, I think, or a coffee break, and we'll reassemble in half an hour's time. Lab in the past. So ladies and gentlemen, dear colleagues, I will try to summarize the history of what we call TAVI, T-A-V-I, for transcatheter aortic valve replacement, and a technique which is relatively new in India, so I think that very little of you know something about it. So I will do it in French as usual. J'ai eu le plaisir de travailler pendant des années en Inde et de développer des coopérations très rapprochées avec la majorité des centres des hôpitaux publics et des cliniques privées. Et au cours de ces périodes, j'ai fait profiter à nos amis indiens d'un certain nombre d'innovations, comme le traitement du rétrécissement aortique par dilatation valvulaire aortique que j'avais initié en 1985, le traitement de la sténose mitrale par commission otomie mitrale en 1997. Et je n'ai pas encore eu l'occasion, mais c'est pour bientôt, d'apporter en Inde le traitement de la sténose aortique calcifiée par le TAVI, c'est-à-dire Transcatheter Aortic Valve Replacement. À cet égard, je voudrais signaler que dans le cours de ces développements, j'ai beaucoup travaillé avec l'Inde sur le développement de la sténose mitrale et que le premier cas mondial de commissurotomie mitrale percutanée en utilisant commissurotome a été fait actuellement à l'Apollo de Hyderabad. En ce qui concerne ces innovations, comme vous le verrez, il y a une relation directe entre le traitement de la sténose aortique calcifiée par le ballon et le traitement de la sténose aortique calcifiée par la valve artificielle qui n'est qu'un prolongement de la technique initiale. Comme je le disais tout à l'heure, les relations avec l'Inde ont été absolument multiples depuis 1990. Des centaines de cardiologues ont été formés aux techniques de cardiologie interventionnelle par moi-même en Inde, mais aussi en France. Nous avons eu la possibilité de créer à cet égard la fondation Indo-French Cardiology Foundation en Inde, ce qui m'a donné l'occasion de faire découvrir l'Inde à de très nombreux collègues français qui en gardent toujours des souvenirs émus. Alors je vais vous parler de la sténose aortique. En Inde, c'est une maladie qui n'est pas très connue, alors que dans les pays occidentaux et aux États-Unis ou dans le reste du monde, cette maladie est extrêmement fréquente. L'incidence de cette maladie est de l'ordre de 5 à 7% au-delà de 65 ans,
plus de 10% au-delà de 70 ans, et elle consiste en fait en un épaississement et des calcifications de la valve aortique qui l'empêche de s'ouvrir. La plupart du temps, cette forme est celle qu'on observe chez les malades, des dépôts calcaires sur les trois valvules, mais ça peut aussi revêtir cet aspect absolument terrible. Si l'on ne fait rien, la mortalité dans le rétrécissement aortique calcifié symptomatique est de l'ordre de 2 à 3 ans pour 80% des malades. C'est donc une maladie absolument redoutable. Alors pourquoi avoir développé des techniques interventionnelles pour le traitement de cette maladie alors que l'on sait que le remplacement valvulaire aortique chirurgical est une excellente intervention qui est faite depuis les années 60, qui a évolué en utilisant d'abord des valves à billes, puis des valves avec des ailettes, puis finalement ce qu'on appelle des bioprothèses. C'est une excellente intervention avec une très basse mortalité et un retour du patient à une espérance de vie normale. Alors la raison pour laquelle les techniques de non-invasives ou moins invasives sont importantes est qu'un tiers des patients qui sont candidats au remplacement valvulaire aortique chirurgical ne sont en fait pas opérés. Et toutes les études l'ont parfaitement montré, incluant une étude très importante qu'on appelle l'EuroHeart Survey en 1994, montrant que un tiers des patients qui devraient être opérés ne le sont jamais pour diverses raisons. Il était donc nécessaire de penser à faire quelque chose. Et à Rouen, en 1985, j'ai eu la possibilité de réaliser la première dilatation valvulaire aortique au ballonnet sur une patiente de 72 ans qui avait été récusée par les chirurgiens en raison de son âge. Et cette technique a été refaite à plusieurs reprises par notre équipe, publiée dans The Lancet, et la réaction médicale a été considérable avec des dizaines de milliers de patients traités par dilatation valvulaire aortique dans le monde. L'accord de la FDA obtenu dans des indications de patients non chirurgicaux. Mais malheureusement, cette technique était associée à des limitations importantes qui étaient la resténose valvulaire précoce. Il fallait donc essayer de faire quelque chose. Est venue l'idée de la valve implantable en observant qu'un ballonnet gonflable pouvait toujours être gonflé parfaitement, quelle que soit la quantité de calcium de la valve aortique. Il était donc possible d'imaginer de rajouter un stent au milieu du ballon pour maintenir la valve ouverte et éviter la resténose valvulaire. Donc bien entendu, ça ne suffisait pas, il fallait imaginer une structure valvulaire à l'intérieur du stent. Et on arrivait à cette combinaison intéressante d'un ballon expandable par d'un stent expandable par ballon et d'une structure valvulaire située au milieu. Donc voilà à peu près ce que j'imaginais pouvoir être une valve aortique implantable avec un stent et une valve à l'intérieur. Il fallait évidemment que le stent soit très très résistant. Et voilà les premiers modèles de valves qui ont été faits par notre chirurgien cardiaque à Rouen, qui correspondait, comme vous le voyez, tout à fait au dessin que j'avais proposé. Pendant 5 ans, j'ai essayé de trouver un sponsor pour développer ce projet, et ça a été un échec total, puisque tous les experts ont affirmé que c'était techniquement impossible, cliniquement extrêmement dangereux, et que c'était certainement le projet le plus stupide jamais soumis à des experts, et donc ils ont tous forcé les compagnies à ne pas développer ce projet, y compris d'ailleurs les compagnies indiennes. Et il a été nécessaire pour moi de créer une start-up qu'on a appelée avec trois autres collègues, dont Martin Leon aux États-Unis, Percutaneous Technology, et il a été possible de développer une valve qui correspondait à ce que l'on recherchait. C'est cette valve tricuspide montée à l'intérieur d'un stent en acier. Cette valve a été étudiée en laboratoire et implantée chez l'animal, chez le mouton. J'ai plus de 100 moutons actuellement, et donc vous pouvez voir ici la valve fonctionner en laboratoire et puis chez le mouton après une implantation en position aortique et par échographie transœsophagienne, donc c'était très encourageant. En avril 2002, il a été possible de mettre en place cette valve pour la première fois chez l'homme. Chez un malade, je ne rentre pas dans les détails, mais de 57 ans et mourant avec une absence de contractilité cardiaque et de multiples comorbidités, dont une occlusion de pontage aorto-bifémoraux qui empêchait d'utiliser la voie fémorale qui était normalement prévue, et donc une technique d'implantation par voie transseptale
Vous voyez ici, la première valve a été mise en place par la veine cave et il a suffi finalement de suivre les flèches pour arriver à la valve aortique. Et vous voyez ici que c'était assez dense dans l'atmosphère, dans la salle de cadétérisme pour cette première implantation. Ça, c'est la première valve en place à l'intérieur des calcifications. La première valve lâchée et le résultat hémodynamique parfait. La surprise de ma collègue Hélène Elchaninov qui ne pouvait pas en croire ses yeux. Et vous voyez ici le patient immédiatement après la procédure et le patient une semaine plus tard totalement ressuscité. Donc ce premier cas a fait l'effet d'une bombe et nous avons pu réaliser finalement 40 autres patients à Rouen, tous dans des situations compassionnelles, jusqu'au moment où la compagnie Edwards en Amérique acquiert notre start-up PVT en 2004 et à ce moment-là, les progrès ont été fulgurants avec le développement d'autres modèles de valves avec des tailles différentes, des valves extrêmement bonnes sur le plan hémodynamique et il a été mis au point des cathéters qui permettaient de mettre en place cette valve par voie artérielle transfémorale directe, ce qui était le but initial d'ailleurs de cette innovation, mais aussi pour les chirurgiens par voie transapicale pour les patients qui ne pouvaient pas être abordés par voie transfémorale. Donc c'était un progrès considérable et vous voyez ici la valve qui a été implantée pendant des années par voie transfémorale ou par voie transapicale avec un grand nombre d'études qui ont été faites, des études de faisabilité en Europe et au Canada jusqu'à ce que soit réalisée l'étude partner aux États-Unis qui est une étude pivot randomisée qui a été une étape extrêmement importante dans le développement de cette technologie. Donc l'étude PARTNER, c'est une étude qui a porté sur 1057 patients uniquement aux États-Unis et où les patients étaient considérés soit inopérables, soit à haut risque chirurgical. Dans ce cas-là, inopérable, le TAVI était comparé au traitement médical simple et dans le cas des hauts risques chirurgicaux, le TAVI était comparé à la chirurgie. Donc l'idée de base était bonne, c'est une extraordinaire étude randomisée. Les résultats ont été absolument magnifiques, publiés dans 4 numéros de New England Journal of Medicine au fur et à mesure du temps qui passe. Et cette étude a montré que chez les patients qui n'étaient pas opérables, il y avait plus de 25% de réduction de la mortalité des patients qui sont considérés comme inopérables. Chez les patients qui étaient à haut risque opératoire, on s'est rendu compte qu'après un an, la mortalité du TAVI et de la chirurgie était absolument superposable. Et ces résultats ont été confirmés à 5 ans, si bien qu'on considère aujourd'hui le TAVI comme une alternative valable à la chirurgie cardiaque. Les deux techniques offrant la même amélioration fonctionnelle. Une autre valve, la CorValve, a été développée un peu après nous. Et la CorValve, qui est basée sur un déploiement automatique par retrait d'une gaine, donc un mécanisme tout à fait différent, a montré que chez les patients à haut risque, la mortalité était significativement plus basse avec le TAVI qu'avec la chirurgie cardiaque. Donc tout ça a été évidemment extraordinairement encourageant. Et vous voyez ici la route suivie pour le développement de cette valve percutanée avec les dilatations aortiques, les études post-mortem, les études de prototype avec les implantations animales, la première implantation humaine, les études de faisabilité, avec finalement le CE mark, c'est-à-dire l'autorisation d'implanter la valve en Europe, suivi de post-market registries, et finalement de la fameuse étude partner qui a été décisive pour l'avenir du TAVI. En octobre 2011, le TAVI a été approuvé par la FDA pour les patients non chirurgicaux. En octobre 2012, chez les patients à haut risque, le TAVI est apparu dans les guidelines en Europe et aux États-Unis en 2012 et 2014 respectivement, ce qui pour nous était très important. C'était bien d'avoir une innovation française qui soit approuvée par la FDA et qui apparaisse dans les guidelines. Simultanément, la CorValve qui est ici faisait son chemin jusqu'à une étude pivot dont je vous ai montré les résultats tout à l'heure. Et la CorValve elle-même a été approuvée par la FDA chez les patients à haut risque. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'était une longue route pour en arriver là, je peux vous dire. Et où est-ce qu'on en est? Eh bien, on assiste à une incroyable expansion dans le monde entier de cette technologie, avec 10 ans après le premier cas, 200 000 patients implantés.
dans 700 centres en dehors des États-Unis et dans plus de 500 centres aux États-Unis. Vous voyez ici la distribution mondiale du TAVI et beaucoup, la plupart des pays développés sont maintenant utilisent le TAVI de façon régulière. Et vous voyez ici l'Inde qui vient de recevoir enfin, je pourrais dire, l'autorisation des autorités pour démarrer le TAVI et on va commencer les premières implantations dès le début de l'année prochaine. Pour vous donner un exemple, en France, on fait 6000 TAVI par an. En Allemagne, 8000 TAVI par an. Et dans notre service, 5 à 9 TAVI chaque semaine. C'est donc une technique qui est rentrée maintenant dans la routine. Vous voyez la courbe de croissance d'acceptation de cette technologie. 75 000 malades en 2015. Et si on va maintenant dans les années 2020, on arrive à 150 000 malades par an. C'est donc extrêmement impressionnant de voir cette technique s'envoler complètement. Et vous voyez ici que par million d'habitants en Europe, l'implantation du TAVI est très variable, avec un grand nombre d'implantations en Allemagne, suivie de la Suisse et de l'Autriche. Et puis la France est là, qui a été l'initiateur du projet. Ici, les États-Unis. Et après, une descente de l'incidence de la prévalence du TAVI dans le traitement du rétrécissement optique en fonction des politiques de santé et des politiques de remboursement des procédures qui sont très variables d'un pays à l'autre. Et l'Inde est bien placée pour le savoir. 50% des patients qui devraient être traités par TAVI ou par chirurgie sont encore aujourd'hui intraités. Donc voilà ici les indications actuelles du TAVI. C'est très simple. Le TAVI est limité aux patients à haut risque ou qui ne sont pas opérables ou qui sont considérés par frêle par un groupe de médecins qui font partie de la RAR team. Donc ça, c'est très important parce qu'on a appris aux médecins à travailler ensemble au sein des services. Les patients qui ne sont pas à haut risque, qui sont à bas ou intermédiaire risque, ne sont pas normalement des candidats au TAVI. En réalité, on s'aperçoit que le TAVI a une croissance vraiment très importante. Vous voyez ici, quand on a commencé la première valve qui correspondait finalement à mes dessins, tous les patients étaient opérés. 98% des patients étaient opérés. Avec les progrès technologiques entre 2005 et 2009, on s'aperçoit que la chirurgie diminue d'importance pour ne concerner maintenant que 75% des patients. Et avec les tout derniers modèles de valves, vous voyez que la chirurgie recule encore un peu, avec 55 à 60% des cas traités chirurgicalement, le reste étant traité par TAVI. Et de plus en plus, des gens à risque intermédiaire sont inclus dans les différentes séries. Nos valves ne sont pas les seules à avoir contribué à ce succès. La CorValve a également fait beaucoup de progrès. On en est là aujourd'hui et vous commencerez à en mettre l'année prochaine en Inde. Et de nombreuses autres valves ont été développées par d'autres compagnies, mais elles ont eu un rôle moins important à jouer. Vous voyez ici les derniers modèles de valves, de l'Edwards Valve qui s'appelle maintenant Sapien 3, celle avec laquelle vous commencerez à travailler en Inde, et l'Evolute pour la CorValve. Vous voyez ici comment on implante une valve avec une Sapien 3. C'est d'une facilité absolument déconcertante, la valve étant implantée par voie transfémorale, avec des résultats qui, compte tenu des particularités de cette valve, sont absolument excellents, sans insuffisance aortique dans l'immense majorité des cas. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre. Aussi, cette valve a permis de faciliter la technique qui maintenant devient une stent-like procedure. So, vous voyez, en comparaison à la chirurgie cardiaque lourde, ce qu'on appelle une technique minimaliste, qui veut dire sédation, locale anesthésie, pas d'échographie transésophagienne. La durée de la procédure est de 45 minutes et les patients peuvent rentrer chez eux entre le premier et le troisième jour dans 60% des cas. C'est donc quelque chose qui a vraiment totalement révolutionné la façon de procéder. Vous voyez ici cette malade de 101 ans qui a été admise ce jour-là pour un screening et puis qui a été admise pour sa valve le mercredi. Elle a eu sa valve implantée le jeudi et elle a été à son domicile le vendredi ou le jeudi, je ne vois pas ici, mais enfin 24 heures plus tard. Et cette patiente est rentrée chez elle à pied, seule, non accompagnée, au premier jour d'implantation. Voilà ce qu'on peut faire maintenant avec le TAVI. Les complications sont en train de totalement diminuer d'une façon drastique, que ce soit la mortalité à un mois,
les fuites paravalvulaires qui étaient un problème pendant un certain temps, les accidents vasculaires cérébraux. Et vous voyez ici, à un an, la mortalité des patients est seulement de 8% en comparaison à l'évolution spontanée de la maladie. Pour finir, cette valve peut être également implantée pour traiter les dégénérescences de bioprothèses. C'est quelque chose qui est très important, y compris pour vous en Inde, parce que les patients n'acceptent pas facilement d'être réopérés une deuxième fois. Et donc on sait maintenant que c'est tout à fait faisable. On a une série de plus de 2012 patients implantés en valve in valve, et on sait vraiment comment faire maintenant. Donc je pense qu'en 2015, le TAVI est indiqué chez les patients qui ne sont pas des candidats idéaux à la chirurgie. En 2025, ça sera l'inverse. La chirurgie cardiaque sera indiquée chez les patients qui ne sont pas des candidats optimaux au TAVI. Voilà où on en est actuellement. Je vous remercie beaucoup. Donc la conclusion, je pense que le TAVI est une breakthrough technology with significant and positive social medical cultural consequences. Le TAVI est en train d'entrer dans une nouvelle ère avec des remarquables améliorations technologiques qui améliore considérablement le suivi, et dans les 5 ans, l'impact du TAVI sur le traitement de la sténose aortique va continuer de croître, et le TAVI va devenir la default strategy for the vast majority of AS patients, et la chirurgie restera une alternative option pour les patients qui ne sont pas candidats au TAVI. Merci beaucoup pour votre attention. Presentation is open for discussion. Puis-je poser une question? Quel est le rapport en France du coût comparé de la valve implantée par voie artérielle et de la chirurgie? Alors en France, actuellement, les deux coûts sont à égalité. C'est-à-dire que la valve n'est pas plus chère ni moins chère que la chirurgie cardiaque. Ça a été montré notamment par l'étude économique de France 2. I'm sorry, I think I should speak English, but it was about the difference of cost between surgery and the TAVI, and just to say that today in Europe and in the United States, the price of TAVI and surgery are quite comparable, and we have the feeling that the cost of the procedure will decrease with more experience, with more competition, with other technologies, and with the fact that the R&D expenses will continue to decrease with time. So I think that, as a matter of fact, the TAVI might become less expensive, but it's not the case in India. It's rather not a question, but a comment, because people are maybe not actually physicians here, but they should know. Professor Alan Krivier, what he has created, this is one of the major breakthrough. It is basically a non-surgical treatment or replacement of the aortic valve. And he started this procedure when I was working with him in 1996. At that time, it was almost a passion or obsession for him to develop such technology. And then, of course, as he told that, it was 2002, April 16, when the first in-man implantation was done. And since then, more than 2 lakhs procedure. 200,000 means 2 lakhs in Indian has been done worldwide. Unfortunately, we do not have still available in India, which I think will soon have it. I should compliment Dr. Krivier that such a thing has been developed, which has been accepted all over the world. As you said, more than 65 countries have this procedure being done. Unfortunately, not in the Asian subcontinent. This being done in a patient who has a severe aortic valve stenosis, where you cannot do surgical open heart surgery because of the other disease. I just want to know one question from Dr. Krivier, because he has already told that, what do you think, when it will be actually available or indicated for the low surgical patients? Well, actually, there is a randomized study in the United States, which is called a Partner 2 trial, which is a randomized comparison of the TAVI in low-risk patients and surgery. The results will be published at the next ACC meeting in March of 2016. And I guess that probably we will show that there is no difference between TAVI and surgery in this low risk population. And then it will be the beginning of a new era for TAVI. Certainly. And that time, I think that more exponential growth of this procedure will be there worldwide. Yes. Thank you.
Thank you. Professor Kibir, it's always good to listen to you and learn. Every time I listen to you, I learn something new. Having seen you perform in several live workshops, I agree that it's as simple as an angioplasty in experienced hands, especially in your hands. And I hope it will be soon available commercially in India, though 50-odd valves have been implanted on compassionate ground. Yes. I think the two remaining problems are stroke and the complete heart block, which are in single digits, and various valves which are repositionable, and third and second generation are available. But I won't go into TAVI because we know that we have reached that stage. I'll just take this opportunity to listen a few words about other valves, like tricuspid pulmonary and especially the mitral where we stand. Yes, well, actually, first of all, stroke is no more an issue today. It was a new license. So you are referring to the next and the last generation of valves, but today it has been shown that stroke is no more an issue in progressive surgery, for example. So this is good sign. Now, concerning the mitral, many people are developing a mitral valve for percutaneous mitral valve replacement for the treatment of mitral regurgitation, but the problem is extremely difficult to solve because the anatomically, the mitral annulus is totally different from the aortic annulus. It's extremely big. The valve is very large. We have a lot of potential complications after valve implantations, like, for example, the occlusion of the outflow tract to the aorta. So this is a real problem. There is also an issue which is the valve thrombosis, because we are in a low flow regimen, so it means that the risk of embolism remains, stroke remains relatively high with this mitral valve. So we have today in different companies studying, I would say, 5 or 6 different devices, and with in each company, I would say, between 10 and 20 patients implanted, so it's too early to have a good idea. But also the indication is not the same, because the mitral replacement will be aimed at treating functional mitral regurgitation, not organic mitral regurgitation, functional. It means that we will be treating the symptoms and not the disease. So I think that we have to be extremely cautious when you think about mitral valve replacement. It will not be the same story, but it will come, but it will take probably many years. Just a small information to the house that till the time we don't have TAVI available in India, Dr. Kribir himself has initiated a program where the patient can be brought to the or sent to the to France, where with the limited costing, and we have done few patients from India in the Rua itself, and he has got the cost which is quite limited and helpful to the patients. If at all there's some patient who want to go and travel to France to get the process done by Professor Kribir himself in Rua. Okay, I hope they are doing fine. Oh, thank you, sir. Thank you very much. I think our next speaker is Professor Milind Hote. Yes, he is Professor of Cardiology in the Department of CTVS in AIIMS. He has a keen interest in the field of coronary artery disease, especially in off-pump surgeries and other innovative techniques. And I think he will be sharing his experience of not the non-invasive cardiovascular surgery, but minimally invasive cardiovascular surgery. So this is just a semantics. I'm sure it means the same thing for a surgeon as it means for a cardiologist. Dr. Milind Hote. Respected chairperson, distinguished delegates from France, my respected teachers, dear colleagues and dear friends, I thank especially Professor Bell for correcting on the semantics part. And it is an honor for me to be speaking as a part of this Indo-French Health Summit here today. As we all know, advances in healthcare and technology, they are very closely interlinked. So I shall be presenting a surgical perspective on how time and technology it has enabled significant change in the way we cardiac surgeons perform complex heart and vascular surgeries in the present day. Although a surgery or any procedure can never be totally non-invasive, yet the efforts are on to minimize the invasiveness of surgical procedures, and these few slides, subsequent few slides, will show you how. The common operations that we do in cardiovascular surgery include coronary artery bypass grafting, wherein 2 or 3 grafts are placed on the obstructed coronary arteries on the surface of the heart. Others include valve repairs or replacements,
congenital heart defects, including atrial septal defects or ventricular septal defects and other congenital cyanotic heart defects. We also have complex aortic aneurysms and aortic dissections, which entail replacement of different lengths of aorta as is required. So a brief historical perspective on how all of cardiac surgery started. This was a freak stab incident in Frankfurt, Germany, in which the unfortunate patient, he was lucky enough to be brought to the hospital, and he was diagnosed to be having a stab wound in the right ventricle of his heart. So he was fortunate to land into the hands of Professor Ludwig Rehn, who was courageous enough to attempt surgical repair of this rent, and remarkably, the patient survived in spite of significant infection, and that is what started the era of cardiac surgery. Prior to that, even distinguished surgeons had almost written off any significant interventions on the heart, proclaiming that any surgeon who would dare to touch the heart would lose the respect of his colleagues. But then, based on this particular stab incident, the era of cardiac surgery started. So further looking through the hourglass, in 1925, mitral commissurotomy was initiated, and 1938, instrument mitral commissurotomy was initiated in Europe. Other conditions that were put into the realm of cardiac surgery were Della prosection, coaptation of aorta, and patent ductus arteriosus. Bypass machine was devised by Professor John Gibbon after 20 years of hard work, and that initiated a flurry of further developments in the field of cardiac surgery. Controlled cross circulation was a novel concept which Dr. Grady had initiated in USA, and in this, the parent of a particular child, the sick child, the child having a cardiac defect, would be serving as an oxygenator. So a cross circulation would be established between the parent and the child, and for a brief time, the child's heart would be arrested, and corrective surgery for the lesion would be performed. He had remarkable success, and that is what brought this field of cardiac surgery further into limelight. So Lilleha and Kirkley were the first ones to establish their initial series in open heart surgery. And this is a picture of Dr. Lilleha examining his first patient. So conventional cardiac surgery, it is performed by routine sternotomy. In this, we essentially cut up the whole breast bone from the upper to the lower extent. That is called sternotomy. And this gives a good exposure of all the cardiac structures. And we can operate upon the desired particular chamber of the heart. Conventional thoracic vascular surgery is done by positioning the patient appropriately and giving a large incision as is required based on the pathology of the patient. But you can see here, if the incision extends from right from the upper, just lower to the left shoulder, almost up to the groin. So obviously, once this incision is exercised, the whole body is opened up almost grotesquely. So. But this is mandatory also because we many times need to tackle the disease in the whole of the aorta, starting from the upper end of the aorta right down to the bifurcation just before its entry into the lower limbs. So extensive incisions are required, especially in thoracoabdominal aortic surgeries. So that is how conventional cardiac surgery and vascular surgery used to be done in 1950s and 60s. So there were lots of changes over time in many fields. For example, the locomotive train, this is how it would appear in the early 1850s or so, and this is what it would appear today. Similarly, the ubiquitous telephone, it has now been modified into something very technical and advanced, which enables a lot of communication and calculation. So similarly, there was paradigm shift in cardiology also. And there were many innovators. Professor Grunzig, he was instrumental in initiating the interventional treatment for coronary artery disease. And this is the angiogram showing the landmark angiogram picture in which the first lesions were treated by balloon angioplasty by Professor Grunzig. And over the course of the next 10 years, once this angioplasty was done in 1976, this is not exactly a representative picture of what the relations between cardiologists and the cardiac surgeons were, but this in a way was a representative of the number of patients being dealt with, the number of patients of coronary artery disease being dealt with by cardiac surgeons versus the cardiologists. So a lot of patients were being managed by interventional cardiology and ballooning and stents. So that was definitely beneficial to the patients because the invasiveness of the procedure of coronary artery bypass grafting had been minimized.
So the surgeons also realized that there were definite problems with the sternotomy approach. Maybe 3 or 4 out of 100 patients would develop disfiguring scars over the sternal wound. This is essentially a hypertrophic scar, and some patients would land up with keloids, which apart from being cosmetically disfiguring, they would be troublesome by causing pain and persistent itching also. Some patients would develop extensive mediastinitis and sternal wound infection, as is shown in this particular patient. And this is a patient who has undergone CAB 2 months prior to this particular picture, and you can see he's still in severely critical condition, intubated in the ICU and on ventilator. And this is another picture showing chronic non-healing sternal wound. So obviously there were problems with sternotomy. Similarly, there were problems after thoracoabdominal operations also. The patients would develop significant the intricacies and the obstructions that he faced while developing this technology, which is now widespread in use all over the world. This is the TAVI procedure in 2002. So these are some of the valves that are being used in the field of interventional cardiology, Professor Kibir himself. So based on these learnings, the surgeons had to devise a lesser invasive approach, and it was not that they would, the surgical fraternity would just proclaim that I just won't change. Obviously a change was imminent and it was to be embraced. So there were efforts to minimize the length of the sternotomy incision. Some of the surgeons started using limited thoracotomy incisions to perform some of the common operations like the mitral valve or the aortic valve. Other surgeons would start using partial sternotomy operations. It could be the upper sternotomy or the lower sternotomy operation. And there were simultaneously advancements in the field of perfusion cannulas. The manufacturers were able to devise perfusion cannulas based on the surgical needs. And conventional open heart surgery would require cannulation of the heart in the central part, that means the aorta and the superior vena cava or the inferior vena cava. These particular newly developed cannulas would allow shifting of the cannulation to the periphery, that means the femoral vessel. In around 1998, the robotic technology also came into use, and the facility with this particular development was that it allowed the surgeon almost to be sitting on the heart with 10x magnification, and the robotic hands that would be introduced inside the patient's chest, they would function with the periphery of just the human hands, miniaturized 100 times. So the surgeon sitting on the console would be able to operate inside the patient's chest without introducing his hand inside the chest cavity. That was a remarkable development, and it also offered significant magnification to perform fine surgeries. In addition, whatever movement the surgeon would do on the console here would be reproduced in the surgical field. It would be scaled down to 10 or 12 times, and that would lead to accurate reproduction of surgeon's movement inside the patient's chest cavity. Professor Carpentier, another pioneer in the field of cardiac surgery, was the first one to do robotic CABGs. He also did this particular procedure in France. So his robotic CABG essentially entails performance of 1, 2, or 3 anastomoses. Usually a Lima to LED anastomosis is done robotically. I shall present a small video at the end of this presentation just to be able to explain to the audience better. At the end of the surgery, it is remarkable to see that there is no sternotomy in this patient. This patient has undergone a Lima to LED graft and a Lima to obtuse marginal graft. So two mammary arteries have been grafted. And to, let's say, procure robotic technology because it was expensive, they also had other options in the field of, in the form of other minimally invasive instrumentation. So these were just a modification of the conventional open instruments, and they enabled performance of some of the commoner operations by using smaller incisions on the side of the chest. So you can see here a small incision has been placed on the right side of the chest, and some of the special long instruments are used to replace the mitral valve. So this is another picture which is showing the mitral valve being descending into the left atrium of the patient, and it is right now at the skin level. This particular photograph shows the schematic representation of how a mammary artery is harvested using thoracoscopic instruments, and subsequently the surgeon anastomoses the mammary artery to the appropriate target. These stabilization devices have also been improvised to be included into the realm of minimally invasive cardiac surgery. These are slight modifications of the conventional stabilization devices that are used in sternotomy patients. I shall just go to a video. Small video. This shows how a robotic CABG is performed.
Essentially, the incisions are marked on the chest and trocars are introduced, which subsequently allow the placement of the robotic arms. So these three trocars have been introduced. There are two working arms and one camera arm. This is the robotic arm that is being introduced. And right now the mammary artery will be harvested. You can see this is the bulging mammary artery. The left and the right hands of the surgeon sitting on the console manipulate these two robotic arms inside the chest cavity. So the mammary artery is being harvested. You can see this white streak-like structure, that is the left internal mammary artery. So once that is harvested, we introduce a stabilizer from the lower end of the sternum through another small puncture hole. This is the harvested mammary artery, isolated, right? So a bulldog is introduced to clamp it so that it can be divided and then prepared for suturing. This is the placement of the bulldog so that there is no unnecessary bleeding. All the instruments in robotic surgery are designed as per the conventional surgery instruments. Means we have robotic scissors, we have robotic forceps, we have robotic navel holder. Similarly, we have corresponding instruments for minimally invasive cardiac surgery also, that means non-robotic also. So this mammary artery is being cut now with the fine robotic pot scissors. You can see the cut end of the mammary artery. This end will be anastomosed to the LAD artery on the heart. A stabilizer is being introduced from the lower end of the ZP sternum. This is the LAD which has been stabilized between these two limbs of the stabilizer. The cautery is being used to dissect the LAD, deliver the LAD out of the onto the surface. Elastic tapes are being placed to prevent any bleeding once we open the LED. This is the LED that has been opened. You can see the small cylindrical structure. Some sutures have been placed on the Lima to LED anastomosis. A check is being done to ensure that the LED, the Lima is flowing appropriately. And once the anastomosis is completed, the elastic tapes are released. So that is how the anastomosis is completed. There is another small video just to show how a mitral valve surgery is done. This is an echocardiogram showing significant mitral revegetation. The pericardium is being cut with the robotic cautery. Cardiopulmonary bypass is instituted by using groin vessels, that is the femoral artery and the vein. The heart has been arrested after institution of cardiac region. The left atrium has been opened. This is the mitral valve that is being visualized. As I said earlier, the visualization is so good that it feels like the surgeon is almost sitting on the mitral valve. So in this particular surgery, the caudal shortening is being done. Caudal elongation was the etiology behind the mitral revegetation in this patient. So other procedures have been done, that like quadrangular resection of the posterior mitral defect, and the suture is being tied to shorten the cauda. Subsequently, we can check the on-table leakage, and finally a ring is being placed. These are all steps that are practiced in open cardiac surgery. Only thing, the approach has been changed, and robotic technology is used to do these things in using very small incisions. So the ring has been placed and the sutures are tied. The left atrium is closed and the heartbeat is again started. We do a check echo, which again shows trivial mitral revegetation. So that is how the robotic technology is used to perform some of the commoner operations. Not all patients are amenable to robotic technology, but definitely these small incisions, they lead to a big difference in patient outcome. We have, since we don't split the sternum, there are lesser chances of infection, there is minimal blood loss, and definitely less blood transfusion is required.
and the patients usually don't develop lung infection or wound infection, which might be to the tune of 2 to 3% in open surgery, and patients recover to work much faster and they can be back to work maybe in 15 days. So what is the scope of MICUs today? Some selected patients undergoing CABG, atrial septal defect closures, mitral valve repairs and replacements, aortic valve repairs or replacements. We can also do redo aortic valve replacement, tricuspid valve surgery, myxoma excision is possible, and some of our colleagues, Dr. Deguru, is applying this MICUs technique to performance of dental operation and tetralogy fellow also. In aortic operations, as you see here, there is a big aneurysm in the thoracic part of the aorta, and if we have a thoracoabdominal aneurysm, we may need to have a big incision on the thoracoabdominal part. This particular photograph shows extensive replacement of some of the portions of the aorta, and the patient may have such large incisions. In obese patients, in patients who are above 70 years of age with significant comorbidities like uremia or diabetes, the tendency for these wounds to heal is a bit low. So we may expect bone complications in such patients. So if we have an alternative where we don't need such large incisions, obviously that would be a welcome change, and that is definitely available today in the form of endovascular stenting. In the cath lab, through a small incision in the groin, we can place appropriately designed and tailored stents to cover the area of the aorta which is diseased. So as you see here, the stent has been placed and it excludes the aneurysm in the abdominal aorta. There are specially designed stents available which have Y-links also to perfuse both the lower limb arteries. So obviously MICS is the key to the future, and what exactly does the future portend in the field of cardiovascular surgery? We expect better instrumentations and better percutaneous techniques for cardiopulmonary bypass. We also foresee development of better anastomotic devices so that we can bring more and more CABG patients into the purview of CABG, minimally invasive CABG. Laser technology is definitely going to be of help. We may also expect developments of smaller robots, more cheaper robots. We already are seeing lots of hybrid operating rooms being constructed in many centers in our country also. So more and more patients are being tackled by heart teams, which includes input from both the cardiac surgical team and the cardiology. So many patients are benefiting with the use of these minimally invasive technologies. So as surgeons and as members of the heart team, it is important for all the members of the team to innovate. And one particular saying by a wise man was, the best way to predict the future is to create it. So we have a responsibility to keep innovating and keep bringing changes in our field. Thank you, Milind, for taking us into the future of cardiac surgery and which way the cardiac surgery is heading. It's good to know that the surgeons also are going the minimally invasive or non-invasive, who knows, in the future. They may be doing non-invasive surgery by some form of ultrasound or something. If there are any questions, I think you'll be happy to answer. If I think there are none, we thank you. Now our next speaker is Professor Balram Bhargav, who is Professor of Cardiology at AIIMS. Besides an excellent cardiologist and researcher, he is a keen interest in biodesign and innovations in medical devices. And as Executive Director of School of Biodesign, he has developed and is developing many of innovative medical devices, and it will be nice to hear from him. Professor Balram Bhargav, please. Thank you, sir, Honorable Chairperson, dear friends. After this heavy, sophisticated work, we talk about low-cost frugal innovation, and we will shift our gears and come down, so which will appeal to the large masses of the society. So I will ask before starting, since independence of about 65 years of independence of India, what has India done well in? Then everyone will say, well, India has done well in IT. I ask further. Then people say, well, India has done well in mobile technology. And then they stop. I ask further, what has India done well in? Then they say, well, India has done well in cricket, in Bollywood. And they stop there. But what they don't talk about what India has done well in agriculture. We had the first green revolution in the 70s. We are having the second green revolution now. We don't need grains. We are exporting them.
We have done well in pharma. We are the pharmacy for the world. Our drugs are being exported to most parts of the world. We have done well in medicine. We don't have to go out of this country for any treatment. Having said that, there are problems. Health is not available for all in this country, and emergency medical care is the next frontier where we need to do a lot of things, and that needs to be developed. So we are sitting here at All India Institute. We have celebrated our 50 years in 2006, and it was judged as one of the top 10 hospitals in the world by the Newsweek, treating 3.5 million patients at the cost of $1 per day, with the same infection rate as anywhere else in the world. So this is where we are, and how I will talk about is how frugal innovations have to happen and are necessary for our country, and how we are genetically blessed who live frugally to think frugally. And that is a great combination with France, where frugal thinking and frugal mindset of ours and high technology from yours could be combined to get good results. So in India, we have problems, and we wait a lot, and we have a lot of patients. We solve those problems once we reach a critical mass, but we solve them elegantly. Some of them are very elegant, very frugally, and I will talk about them. We have problems, yes, we have bad roads, we have bad air, we have bad health indices, you name it, we have it. But Indians have a great ability to ignore these problems. Indian healthcare today is, expenditure is very low compared to low middle income countries. It's 0.9% of the GDP is spent on healthcare, which was supposed to be raised in the 12th plan to about 3%, but that did not happen. It's just gone up to 1.2% of the GDP, and the government is should think of increasing that a little bit. The government is not clear about its role, whether it's the role of a provider or it is the role of a payer. And the Indian medtech industry has been there for a long time, but it's largely been perceived as low tech, developing really class 1 or class 2 devices, and not aortic valve implants or class 3 devices, although there have been some successes in stents and some intraocular lens implants, very low cost, developed in India, being exported to other countries of the world. So everyone compares India's healthcare indices with the US all the time. I said, let's go to the other side of the world and compare it with Japan. So our life expectancy, you know, is low compared to Japan. Infant mortality is still high. Expenditure of GDP is only 4.2% versus 10.1% in the US. And the number of hospitals is just double that of in Japan. So the number of hospitals is a problem. Number of physicians is a problem. I am talking the negative things first, and then I'll come to the positive things. Number of physicians is a problem. Number of nurses per patient is a problem. We have a double burden of disease. We've still not taken care of malaria, filaria, and leprosy, tuberculosis. And we're having the non-communicable disease epidemic. We have 42 million cases of diabetes, 62 million cases of coronary artery disease as we speak today. So we have to solve them. And we have lots of paradoxes in healthcare. 30% of the public hospitals like this cater to 80% of the population. There is some lack of maintenance in these hospitals, but the government has started a new program, Kaya Kalp, and that is having some effect on modernizing these hospitals, and we are seeing it even at our institute. The private sector is absolutely unregulated. There is lack of accountability in private sectors. They are doing whatever they feel like, and although sometimes very good work, but it needs to be questioned and needs to be accounted for. And India ranks, as I said, people don't have to go out of this country for treatment. People are coming to this country for treatment. India ranks number 2 in medical tourism in the world because of the low-cost healthcare. However, there are problems. And the problems are that 39 million people fall below the poverty line every year because of health-related expenditure. And most of it is related to imported technology. And imported technology is expensive, invented in the West and marketed in the East. The problems of imported medicines has largely been addressed by generics. Now, we are exporting medicines, and we don't need to import medicines. In fact, many of the retroviral drugs are being, people come as tourists from Australia and carry those drugs back to Australia, purchase them over the counter and carry them to Australia. So this problem has been solved, but we need to address it for medical technologies and for medical devices. But the strength of India is a large population, large unmet need.
we see more problems than any physician in any part of the world. So we are in a unique position to think of solving these problems. There is a large engineering talent, and as I mentioned, we are naturally innovative, sometimes genetically endowed for this jugaar or frugal innovation or low-cost innovation. The government has also started having a greater belief in this our innovative mindset. They have started a National Innovation Council, which is heavily funded, and that is also supporting. The CII, the FICCI, the Confederation of Indian Industry and the Federation of Indian Chamber of Commerce, is also working with IITs and now with some medical institutes to foster innovation and ultimately export some of these technologies. But what we are going to see is that this is a huge healthcare technology, is about a $200 billion industry expected to be by 2025. Now, we wait, the problems are there, or we wait, and we wait a lot. However, when the problems reach a critical mass, we have an impeccable record of solving them cheaper, better, faster, and in a scalable manner. I'll give you some examples of what our frugal innovations have happened in our country, not in healthcare, but in everything. India struggled for independence. Absolutely frugal, low cost. We had our independence, which was copied by South Africa, copied by other countries, low cost, no expenditure. Food grain crisis, I talked about the Green Revolution. The space mission, Mangalyaan, Mars, are absolutely low cost. The polio eradication program in the country. The banking system is resilient, again low cost compared to any multinational bank or any imported bank. The government schemes, the National Rural Health Foundation, the national, the universal health coverage program which the government is talking about, low cost. Bollywood, we talked about it, low cost. Compare it to any movie in the Hollywood, it's 100th the cost. Generic drugs. Now can we think of generic medical devices, generic medical diagnostics, caught in India, made in India? And that is what the mission is, and what is the frugal innovation, and the world has started realizing it. In fact, in the 1980s, most of the ideas were from the West. Manufacturing was done in the West. It was sold in the East. 1990s onwards, we saw export-led innovation, where the ideas were from the West. Manufacturing was done in countries like China in the East, and then sold in the West. 2000 and onwards, we have examples of ideas from India, ideas from China, manufacturing in India, manufacturing in China, sold in that country. And 2010 onwards, we find that the West has started realizing that this talent is there. So the ideas are from the West as well as from the East, manufacturing together, and that's why the Indo-French, and deploying it in India as well as in France. And maybe 2020 onwards, we'll have more bulbs in emerging economies because the larger population, larger frames, larger number of people. So there is the philosophy of innovation in India has been really more for less for more. So you have to get value for money. That goes without saying. The average Indian middle class is extremely price sensitive and needs a low cost solutions for the problems. We've heard about excellent technologies, a 30,000 euro valve transplant. It's excellent technology. I congratulate Dr. Kribea for it. But can India afford it? Should India afford it? So we need to look at that. There has to be a balance between the Edisonian innovation versus Gandhian innovation. Edisonian innovation clearly says, anything that won't sell, I don't want to invent. It's the same is proof of utility, and utility is success. Gandhian innovation says, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. So we have the paradigm of innovation in India has to be affordability, availability, and accessibility. And we have to have social inclusion offering comparative opportunities for equity. And that is most important. Serving the underserved and we have to focus on people and not just shareholder wealth and profits. So we have to focus on the people. And the people are leading innovation. I'll give you two examples of our genetically endowed mindset. This is a photograph just taken outside my house and on the crossroad there. This gentleman on the left saw the need that people come to throw grain to give to birds.
because it is religious that you give grain to the birds. And that this gentleman realized that there is an opportunity to give those grains. So he started selling those grains there. People buy it there, now they don't get it from their home, they buy it there and throw it there. In the evening, he cleans that place up, so the place becomes clean, and he recirculates those grains. This is innovation. I mean, this is low cost. Similarly, look at this gentleman on the right. When Starbucks opened their first store in Bombay, there was a huge queue of people wanting to go to have that American coffee. This gentleman realized you can have masala chai. People are waiting to have. He started selling that tea in the queue. People purchased tea for him before going into that coffee store. So once the line became less, obviously it is a jugaad innovation. It is not sustainable, but it was low cost. And it was, so that is the mindset we have, and we need to utilize that. Look at this. Cost of the Mangalyaan, 18 cents per mile. Cost of the Gravity movie made by Hollywood, $1,600,000 per minute. So just look at that. So frugal innovation, we need to realize, is not cheap. It is low cost, yet high quality. And that is what we are looking at. Frugal, low cost, high quality with application to large banks. The bad news is, again, the critical mass is fast approaching. But the good news is, there have been innovations in the last 8 to 10 years in India, and 6 of them have been in healthcare. The GE ECG machine, the 1298 ambulance service in Bombay, excellent service. Arvind Eye Hospitals and their assembly line of surgery, their intraocular lens implant, which is being exported to many countries in the world. The Swachh water filter by Tata, using rice husk to filter water. The Narayan Hrudayalaya, which have taken a cue from our All India Institute cardiac surgery program, and the same cost and subsidizing the cardiac surgery by the payment can be made up to 90 days later after surgery has been done. And Jaipur Prosthetics, we know about this. We have some pacemakers, again, invented with the chip being marketed from countries from South Africa and being manufactured in Bangalore. And we've seen these examples. Look at the generic drugs. In 2000, the antiretroviral drugs, triple therapy, cost of 1 year was $10,439 by the originator. The generic drug came, and in March 2001, Cipta marketed it, 1 year treatment for $350. 1 year. And by 5 years' time, the 1 year treatment was $132, and the originator also came down to $500 from $10,000. 3 year treatment. We missed the AIDS epidemic only because of this. So, after 2 decades, we have now a very decisive government, and the government is supporting innovation. It is talking of Make in India. There is support for Digital India. There is support for Startup India. There are people are breaking down the walls between engineers, designers, doctors, and the medical leaders are all talking. And we have started a program, the School of International Biodesign, where the pieces of the puzzle have fallen together. We have talent, we have capital, competitive, problem, opportunity, and the customers as well as the funding. So we have set this program in 2008, and we are collaborating with Stanford University and with Singapore, QUT, Australia, with the FAU in Germany, and we'd like to have one of these dots, and with Japan, Osaka University, and Tottori University, and we'll have one of these dots in France, maybe, after this meeting. So in these 8 years, we have developed 30 medical devices with 45 provisional patents, 5 PCT applications, 1 device is in the Indian market, 1 device has got US FDA approval as being used in US hospitals now. We have started collaboration with several countries. We have started a new journal called British Medical Journal Innovations, and it is run out of this institute. We do a medical technology summit every day, and our philosophy is Gandhi, which is an acronym, Global, Affordable, Need-Driven Healthcare Innovation. That is what we need to do. And these are examples of some of the frugal innovations. First one on the top is the fecal incontinence device, which is a simple sheath-based nitinol self-expanding device, goes below the dentate line on the rectum. It is like a catheter for the stool. Nothing exists in the world other than diapers. This has got US FDA approval and has been tested at All India Institute, first in man study done at All India Institute,
and it has been developed out of this institute along with engineers from IIT. This is a neonatal resuscitation device for the primary health centers, for the ASHA workers. It is a foot pedal device which ensures that you can pedal with the foot, and this has been funded by the Bill and Melinda Gates Foundation and is fully developed and is undergoing now clinical testing. And first-in-man approval is being sought because we can do patients who are already on ventilator, we dehook them and use this device and test it and then put it back. We are able to get the ethics approval by these methods. The intraosseous needle, which is a simple needle for giving fluid in shock patients, and this is developed, it's a mechanical device. Earlier products that are available are rechargeable and battery operated and expensive devices, single use. This is a device which is mechanical, exactly like the one that a carpenter uses to drill a hole with a bow. The same principle is used in this, and we are able to drill a hole in. This has undergone cadaveric testing at All India Institute, found safety, found efficacy, and we've got ethical approval for first-in-man for 10 patients to be done at our emergency, and we are looking at that. This is a cardiopulmonary resuscitation device. This was funded by the Wellcome Trust London, and now we are in negotiations with DPL to license it out to be available. The conventional CPR device is about 30,000 euros, and this will cost about 2,000 to 3,000 euros for making this device. And it has an advantage that it has got sternal compression, circumferential compression, and decompression, which none of the devices, and that is how we have got our patent for this device. This is a simple, very simple device. We have 15 million road traffic accidents every year in India, out of which 5 million are lower limb fractures. There is nothing to stabilize the lower limb on the periphery available. We have the Thomas's knee splint, and we have the other metallic splints, which the ambulance will give for half an hour and want it back, and when you take to the hospital, they want it back again. You put it on and put it off again. You take the patient for a CT scan, you take it off. For an X-ray, you take it off. For an operation, then again you take it off. This is a simple cardboard splint coated with a special plastic, costs 70 rupees, 1 euro or 2 euros is the cost of this splint, and this is now being marketed in 3 states in India by HLL, and it was featured in the New England Journal of Medicine also as an innovation. So what do we see the future of medtech in India? There is going to be an explosion of wearables, and there are a lot happening. We have Home Health, Placto, Dawai, and all these programs have started. Much of them are IT-based. We need mechanical and electronic solutions, less of IT-based solutions. But if IT-based solutions can solve the visits and the doctor-nurse ratio problem, we are all for it. Now, the time is ripe for investing in India, and large number of multinationals, in fact, have over 10 medical device companies have at least $1 billion passed outside of the U.S., and they're willing to support these kind of young innovators, and the future is ripe for them. So radical changes in the health system are happening everywhere in the world, and it is important that cost has to be cut. Obamacare is talking of cutting costs. NHS is talking of cutting costs. I do not know about the French system, but I'm sure they would be talking of cost effectiveness and wanting to have low-cost solutions. So in India, the show starts in 2025 for medical technology innovation. But I believe this one leader of a global medtech company has said, but the tickets are being sold now. So as a nation, for our nation to succeed, we need to start preparing for medtech innovation, and no time better than now. Thank you so much. This is our journal. Thank you, Balram, for a thought-provoking lecture. If there are any comments, yes. Thank you for telling us, sir, that medical innovation requires being frugal also and requires good quality. But, sir, one point is quality by whose yardstick? We should be the ones who determine our national qualities. I know, and this is no pun intended on our own Mahatma Gandhi, but wearing a dhoti sometimes in a hot summer month is more convenient than dressing up in a pant and suit. But
provided nobody laughs at us. That is what I think. I think there has to be a change in mindset. And I remember you asked a question about screening in the first previous session. Yes, sir. So I want to just add one more point. The mindset has to change. Yes. Screening for any disease does not reduce mortality other than three diseases. Cervical cancer in women. Okay. Oral cancer in men and women. Okay. And breast cancer. Okay. And more recently, it has been realized by the Swiss study that even screening for breast cancer is not useful. So okay. We don't need to do too many tests. We are yes, just sir, going definitely. The Western way by trying to screen and be satisfied that we have no disease. Definitely. But we need to screen for the risk factors. Yes, sir. Our aspect should be different. Though. Not yes. Only frugal in devices, but also in testing and screening. Well taken. Any other comments? If none, I think I'll request my co-chairman to summarize it. Thank you. Je veux d'abord remercier tous les orateurs, tous les présentateurs de cet après-midi qui ont été remarquables et qui nous ont donné une vue considérable sur ce grave problème. Je veux aussi remercier le All Indian Institute of Medical Science et la Fondation pour la Recherche Médicale qui ont organisé cet après-midi de travail sur un problème capital, un problème mondial de santé publique, et on a eu ainsi l'occasion d'en voir un différents aspects, tous complémentaires. On a eu d'abord le souci de rechercher les facteurs de risque qui conduisent à ces pathologies cardiovasculaires qui représentent un problème mondial considérable, et on a vu que dans ce domaine on pouvait identifier des facteurs, remarquer, essayer de les corriger et même constater que dans un certain nombre de situations, lorsqu'on corrige ces défauts, on arrive à remettre la situation dans la bonne voie. On a donc des possibilités d'agir et de prévenir les maladies. Je crois que c'était le premier aspect qu'on a pu constater cet après-midi. Le deuxième aspect, il recouvre un petit peu ce qu'on a constaté dans la dernière présentation. On a en effet recherché quelles étaient les conditions optimales pour obtenir le plus rapidement un diagnostic au moindre frais, c'est-à-dire dans les conditions les plus pertinentes et les moins coûteuses. Et je dois dire qu'on a pu constater que la clinique gardait sa place et qu'il fallait faire un choix précis d'examens complémentaires les plus pertinents. Je crois qu'on a eu là une démarche diagnostic extrêmement important. Enfin, à la fin de l'après-midi, nous avons pu voir tous les efforts qui ont été faits pour passer de ces démarches de chirurgie lourde vers des démarches beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à faire accepter et finalement possible de distribuer à une population beaucoup plus étendue. Et finalement, si on considère la dernière des présentations, on constate qu'en arrière-plan de cette prise en compte de ce grave problème mondial de santé publique, l'aspect économique est capital à considérer. Il faut maintenant rechercher de façon aussi efficace que possible les moyens qui vont être non seulement efficaces, pertinents, mais qu'il soit possible de les mettre à la disposition du plus grand nombre de la population. Je crois qu'on a vraiment pris cet après-midi conscience que c'était possible et qu'il fallait aller dans cette direction. Et je remercie encore une fois les orateurs et les organisateurs de cette réunion pour ces magnifiques présentations. Merci de votre attention. Thank you, sir. I now request Professor V.K. Behel, HOD Cardiology AIMS, to present a memento to Professor Daniel Kutrohi, Secretary General ANM, please. Thank you, sir.
I now request Professor Daniel Kutrohiel, Secretary General ANM, to present a memento to Professor V.K. Behel, H.O.D. Cardiology, Ames, please. Thank you, sir. I now request Professor Daniel to please present a memento to Professor Claude Zepschall. I now request Professor Balram Bhargava to please come on stage and receive the memento. I request Professor Pascal Gehry to please come on stage and receive the memento. I now request Professor V.K. Behel, H.O.D. Cardiology, Ames, to present a memento to Professor Sandeep Seth. I request Professor Ella Krubier to please come on stage and receive the memento. I now request Professor Milan Hote to please come on stage to receive the memento. Thank you, sir. I thank both the chairpersons for chairing this session. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, with that, we have come to the conclusion of the academic proceedings of the day. We request you to join us tomorrow at 8:30 hours. Thank you.